Yo yo yo! Vidéo vêtements, et là voilà enfin la 21e vidéo de cette playlist des vêtements rares exclusifs, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, je suis en compagnie du seul et de l'unique Gizmozo! Et oui, Giz n'avait fait partie de aucune vidéo de cette playlist, et puis bah c'est mon acolyte sur GTA depuis toujours, notamment pour ceux qui se rappellent dans l'arène, on a plutôt fait du sale avec Mozo. Et donc je lui ai demandé de me sortir un petit t-shirt que je n'ai pas, et aujourd'hui il nous sort une petite pépite sur GTA Online, puisqu'il s'agit du t-shirt logo Rockstar Brouillage. Je sais que ce t-shirt plaît à beaucoup de gens, et à moi le premier d'ailleurs, je n'ai pas ce t-shirt, et c'est l'un des très très rares vêtements du jeu que je convoite énormément mais que je n'ai pas. En général, quand je les récupère, les vêtements, je suis plutôt content de les avoir, mais je les mets pas vraiment. Celui-là, si je l'avais, je peux vous garantir que vous me verriez souvent avec, mais malheureusement, je ne l'ai pas et Guise, lui, le possède, donc c'était une bonne raison pour le faire participer et nous le présenter, bien qu'il n'y ait pas énormément de choses à raconter le concernant. On va repartir tout doux dans cette playlist. Je ne pourrais pas mettre le même nombre de vidéos qu'au début, puisque j'en mettais 2, 3, voire même des fois 4 par semaine dans cette playlist, mais si je continue sur ce rythme, malheureusement, on va arriver au bout très vite. Alors on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible, mais je vous promets que je suis de retour et que j'en mettrai au moins une par semaine. Et donc aujourd'hui, le t-shirt logo Rockstar Brouillage, ça va être très rapide, il n'y a pas grand-chose à raconter le concernant. C'est un vêtement qui est sur GTA Online depuis le 30 juin 2017, et c'est un événement qui a duré jusqu'au 10 juillet 2017. Et entre le 30 juin et le 10 juillet, il suffisait simplement de se connecter pour le récupérer. Et je sais aussi que dans les fichiers du jeu, il existe une version vieillie de ce t-shirt, ce qui veut dire qu'à l'avenir, Rockstar peut vous proposer cette version. Moi, personnellement, j'attends toujours la version normale. J'espère qu'ils le ressortiront un jour, parce que vraiment, hein, c'est l'un des 2, 3, 4 vêtements que je n'ai pas et que j'aimerais tellement, mais tellement avoir, malheureusement. C'est pas pour moi, alors bravo à vous si vous l'avez celui-là, bien qu'il ne soit pas du tout sur le même standing de rareté que certains vêtements que j'ai pu présenter dans cette playlist. Il n'est pas commun, c'est clair, puisque bah, on ne l'a pas revu depuis 5 ans, jour pour jour, bah oui, jour pour jour demain, donc depuis 5 ans on n'a pas vu ce t-shirt sur GTA Online, et il suffisait simplement de se connecter pour l'avoir, mais on ne peut pas clairement le classer dans une catégorie de vêtements très très rares dans le jeu. Mais par contre, on peut le classer dans une catégorie de vêtements très stylés dans le jeu et très populaires. La preuve en est tous les screens que vous m'avez envoyés. Bon, bah, je peux pas vous les montrer forcément, mais je vous demande juste bah, de me croire en fait. Hein, je suis quelqu'un d'honnête et je vous jure que ce t-shirt, vous m'avez envoyé tellement de screens de celui-là. Il méritait sa place. Il méritait clairement sa place, le t-shirt logo Rockstar Brouillage, et c'est désormais chose faite. Alors merci à Mozo, Kizimozo, pour sa participation. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. Et je vous mets aussi dans la description la chaîne de Kizimozo, puisque c'est un très gros joueur de Fall Guys. Si vous avez un peu de mal, et pour certains modes de jeu, pour les finales, tout ça, et ben le gameplay de Guise pourra grandement vous aider. Alors je vous mets sa chaîne dans la description, parce que Guise, c'est la fafa. Alors je vous fais la bise une deuxième fois, et je vous dis ciao ciao une deuxième fois.